On pourrait être prêt à commencer si tout le monde est d'accord. Bienvenue tout le monde pour cet entretien avec des diplômés autochtones de l'UQAM. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Avant de commencer, je trouverais ça important de faire la reconnaissance territoriale. Donc, moi, en ce moment, je me trouve à Montréal, mais s'il y en a d'autres qui veulent faire la reconnaissance pour leur territoire, je pense que c'est possible d'utiliser le chat là, dans la fonction discussion, puis je vous invite à l'ajouter pour votre territoire aussi si vous voulez. Aujourd'hui, je voudrais souligner que l'État sur lequel nous nous trouvons font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment la nation Kanien-Gaaga et Anishinaabe. Nous honorons, respectons et reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous trouvons. Donc aujourd'hui, la rencontre se déroule en mode webinaire, là, donc on ne voit pas vos caméras, là, ceux qui sont inquiets de ça. Puis je vous invite aussi, on va pouvoir prendre les questions des panélistes, donc je vous invite à utiliser la section Q et R pour écrire vos questions là, tout au long de la rencontre et particulièrement à la fin de la discussion, là, on va prendre un moment là, pour répondre à vos questions. Donc moi, je vais peut-être me présenter brièvement. Je m'appelle Annie Bergeron, je suis Innu de la nation de l'Aseyache et je suis conseillère à la communauté étudiante autochtone à l'UQAM. Donc, moi aussi, je suis une diplômée de l'UQAM, je suis diplômée en sexologie et en travail social. Et j'ai pris l'initiative, en collaboration là, avec mes collègues de l'UQAM, d'organiser ces entretiens-là avec des diplômés autochtones pour pouvoir mettre en lumière là, les beaux accomplissements là, que font nos diplômés partout au Québec et ailleurs dans le monde. Juste vous présenter brièvement un peu les services qu'à l'UQAM, dans le fond, les étudiants ont droit à du soutien, des conseils de la part de la conseillère. On a aussi accès au local NISCA. Là, en temps de pandémie, on a un petit peu moins accès, mais normalement, on a accès au local NISCA pour permettre de se regrouper dans un lieu culturellement sécurisant et de proposer des activités qui soient sur des activités pour réseauter, connecter ensemble, ou des activités de soutien à l'apprentissage, des activités culturelles. Et aussi, je vais mettre dans la section discussion quelques liens, là, si vous voulez en apprendre plus sur nos services, et aussi sur le programme en études autochtones à l'UQAM, et aussi sur les places réservées pour des étudiants autochtones dans les programmes de droit et de travail social. Sans plus attendre, on peut débuter l'activité. Aujourd'hui, nos deux panélistes, on a la chance de recevoir Kim Obomsawin, qui est de la nation Abénakis, qui est cinéaste et productrice exécutive chez Terre Innu, et Odile Joannette, qui est de la nation Innu et qui est directrice du Wetfemi Mobile. J'ai oublié de dire que Kim Obomsawin est diplômée en sociologie et Odile Joannette en communication et relations publiques. Et on a aussi la grande chance que ce soit Caroline Lepton-Hoff qui a accepté d'animer cette discussion, qui est Innu Abénakis et qui est professeur en histoire de l'art et aussi doctorante en sciences et religions. Donc, voilà, je vous laisse, mesdames, continuer la discussion. Oui, quoi, Casnou? Ça va? Ouais, bonjour, ça va? Hey, allô? bonjour, OK. Je vérifie que tous les micros fonctionnent bien pour qu'on puisse échanger. Puis que, évidemment, j'ai préparé des petites questions, comme les gens vont voir. Vous savez un peu qu'on voulait faire ça un peu, se raconter un peu nos histoires, nos cheminements, pour que les gens apprennent de vos parcours, en quelque sorte. Mais
On peut jaser un peu. Hein? Ça peut aussi être sous forme de cercle de partage un peu plus. En fait, vous avez un parcours vraiment différent. Kim, bon, c'est un chemin plus direct. Il y a eu des détours, certes, mais on parle plutôt de quelque chose de successif, passant du secondaire au cégep vers l'université, etc. Et puis, Odile, Joannette, vous avez exploré ben, l'école de la vie, un peu, disons ça comme ça, avant de retourner sur les bancs du cégep de l'université au sein des institutions universitaires. Donc, j'aimerais peut-être commencer avec Odile. Votre parcours, qu'est-ce qui vous a fait hésiter à poursuivre des études au départ? C'était quoi vos questions ou simplement votre état d'esprit à ce moment-là? Je pense que c'est important de rappeler à tout le monde que tu sais, les bancs d'école, c'est un espace où il faut avoir un certain niveau de confiance que c'est utile à nous, puis que nous, on est utile à la société. Je pense qu'il y a comme un genre de sentiment qu'il faut avoir en soi pour pouvoir se lancer dans l'aventure de l'éducation qui est pas simple quand on est en crise identitaire, quand on est confronté à beaucoup d'enjeux sociaux qui font que ça ralentit un peu ou ça rend plus étroit la marge de rêve, d'aspiration et de possible. Et tu sais, donc, je me souviens d'avoir rencontré pour la première fois tu sais, des jeunes femmes qui avaient des ambitions de devenir quelque chose là, très tard dans mon parcours. Parce que j'avais, tu sais, même si j'ai eu une maman inspirante qui m'a toujours Oui. enracinée vraiment dans l'éducation, une maman québécoise qui m'a élevée dans les coulisses du mouvement des femmes autochtones, j'ai toujours été quand même très enracinée dans l'urgence et la force du collectif autochtone, mais j'ai jamais compris qu'il pouvait y avoir cette même force-là dans un établissement d'enseignement. Évidemment, aujourd'hui, quand je pense à Kiona, notre seul cégep autochtone au Québec, j'aurais rêvé d'avoir une initiative comme ça dans mon propre parcours parce que ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Moi, j'ai décroché l'école très, très jeune. J'ai fini à l'éducation des adultes, tu sais, dans le début de ma vie d'adulte. Et puis donc, je suis arrivée à l'université. J'ai fait le choix, finalement, moi, de passer par le cégep parce que j'avais jamais été à l'école avant. Alors, je me suis dit, même si j'ai 21 ans, puis que légalement, j'ai le droit de rentrer à l'université parce qu'à 21 ans, on avait le droit de rentrer à l'université, j'avais pas l'impression d'avoir connu la discipline qui était requise pour vraiment que ça soit une success story pour moi. Alors, j'ai choisi de passer par le cégep où j'ai un petit peu confronté chacun de mes profs au cégep pour leur dire, bon, moi, je suis une décrocheuse, je m'assume. Hein, j'ai vraiment, je suis pas certaine que j'ai une place dans le paysage académique, mais je suis drivée par le besoin de comprendre la société dans laquelle je vis. Donc, je me suis inscrite dans un profil sciences humaines monde. Hein, donc, on est toujours plus monde hein, quand on fait partie de ceux qui sentent l'exclusion. On se dit, bon, ben, dans le monde, on se sent un peu plus inclus. J'ai confronté chacun de mes profs pour essayer de voir si je ne pouvais pas avoir avec eux, modifier un petit peu le cursus pour m'enraciner dans les choses qui étaient importantes. En politique, c'était important pour moi de comprendre la loi sur les Indiens. En sociologie, je voulais faire vraiment l'histoire des relations entre autochtones et non-autochtones depuis le contact. En philosophie, je voulais comme lire et apprendre sur les différentes pratiques spirituelles que nous avions dans nos différentes cultures. J'avais besoin de m'enraciner dans des thèmes comme ça pour, oui, apprendre la Constitution canadienne, mais travailler plus pour me garder grindée. Alors, c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc, finir un cégep très grindé comme ça m'a ouvert les portes sur, bon, ben, t'as une super cotère, hein? T'as 22 ans, t'as fini de faire la folle, t'as comme le goût de t'engager, t'as le goût de comprendre, t'as le goût de développer encore plus. Puis, j'ai longtemps hésité. L'UQAM était évidemment mon premier choix, juste parce que pour moi, l'UQAM, en regardant les différents programmes des différentes universités, pour moi, l'UQAM, c'était un beau mélange entre la théorie et la pratique. Puis je trouve tellement, tu sais, un peu comme nos apprentissages traditionnels de nos aînés, tu sais, touche, regarde et apprends. Je trouvais que c'était important qu'il y ait un équilibre comme ça pour moi. Alors, mais j'ai hésité longtemps entre le droit ou les communications. Parce que je me disais, dans les deux, je pourrais peut-être servir finalement.
C'est comme ça que j'ai choisi les communications, en regardant tout le côté très holistique. Hein. Moi, je suis une personne qui... j'aime pas me spécialiser nécessairement dans un regard très, très étroit. J'aime avoir comme une petite pensée holistique pour voir un peu comment moi, je peux contribuer de la meilleure façon que je puisse à ça. Alors, j'ai adoré. Moi, ça a été une expérience hyper positive, finalement, pour moi. J'ai trouvé des femmes engagées de différents milieux. Ça a été... j'ai ouvert de plus en plus ma compréhension. Puis, je me suis enracinée aussi dans la communauté autochtone de Montréal. Ça a été comme une belle façon aussi de réaliser que, avec le centre de la petite enfance que j'ai contribué quand je suis tombée enceinte, je voulais que mon fils aille à un centre de la petite enfance autochtone avec un programme autochtone, puis c'était important pour moi, puis je me disais, je ne dois pas être la seule maman à Montréal qui a comme le goût. Et puis donc, je me suis enracinée dans des initiatives comme ça, essayer d'unir les différentes organisations autochtones, puis les partenaires, puis la clientèle diversifiée pour voir comment on peut améliorer les services qui sont offerts à Montréal. Donc, j'ai vraiment commencé à m'impliquer bénévolement dans toutes sortes d'initiatives. Puis là, l'identité, évidemment, quand on devient jeune maman, c'est là qu'on s'enracine. Hein. J'ai pas eu le privilège de grandir avec mon papa Innu. J'ai grandi avec une Kokum Anishinaabe à Val-d'Or. Oui. Alors, mais quand je suis devenue maman sur les bancs universitaires après ma première année à l'université, c'était important pour moi de retourner. Hein. C'est là que je suis retournée à Pessamit. J'ai cherché mon papa plusieurs années. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de lui parler de vive voix. Il est décédé avant que je puisse le voir, mais j'ai rencontré ma famille extraordinaire de Pessamit, mes frères, mes sœurs, mes tantes, mes cousines. Puis ça, ben, c'est une relation qui continue à se construire depuis que je les ai rencontrés. Alors, mais je pense que ça teinte un petit peu. Puis oui, effectivement, Montréal, je pars de Val-d'Or. Vous le savez, on le sait tous, on l'a appris et on le savait pour plusieurs d'entre nous avant, c'est un milieu difficile. Et puis j'arrive à Montréal, ben, les repères sont aussi les milieux difficiles. Hein. On dirait qu'on cherche les milieux difficiles. Alors je me suis retrouvée vraiment dans l'école de la vie, l'école de la rue, à vraiment apprendre toutes sortes d'autres enjeux et difficultés, mais qui m'ont finalement ramenée malgré tout au désir de vouloir contribuer. Finalement, c'est ce désir de vouloir contribuer, dès qu'on sent que ben, peut-être que je peux être utile, là, ça nous drive, ça nous motive, l'étincelle l'embarque, puis boum, là, je suis prête à m'engager, puis je suis disciplinée, puis je travaille fort. T'sais. Je pense que c'est juste ça, c'est de trouver finalement sa vocation, ce qui nous inspire au quotidien, puis après ça, on fonce. Puis l'éducation a vraiment été porteur pour moi, ça m'a vraiment, vraiment aidée. Ça change aussi, tu sais, au fur et à mesure. On voit que vous avez essayé plusieurs projets, là. Vous avez étudié en communication à l'UQAM, mais ensuite de ça, bon, ben, vous avez essayé, bon, le milieu de la petite enfance. Vous avez fait plusieurs organisations. Effectivement, j'ai fait aussi le mouvement des femmes. Les femmes autochtones, pour moi, c'est toujours super important. Les organismes communautaires comme le Centre de la petite enfance. Même si je savais que ce n'était pas nécessairement une vocation professionnelle, je savais qu'il y avait un besoin puis je voulais contribuer. Puis après ça, j'ai fait le saut en ce que j'appelle la politique autochtone, hein, la fameuse la grande table des chefs. Quelque chose que je voyais, moi, comme un peu comme tu sais, la table des nations, des Premières Nations Unies du Québec. Là, tu sais, c'est quelque chose que je trouve fascinant comme structure. Puis qu'il y a ces challenges, qu'il y a ces enjeux comme les Nations Unies d'ailleurs. Tu sais, c'est complexe, mais j'ai trouvé ça hyper le fun de pouvoir être au service finalement de l'ensemble des chefs de Première Nation, puis d'essayer de voir comment à travers moi, j'avais le portfolio des partenariats en développement de la main-d'œuvre. Donc, à travers comment les partenariats de développement de la main-d'œuvre, l'équivalent d'emploi Québec, mais j'appelle ça emploi autochtone, les juridictions, les transferts d'autorité se sont faits il y a déjà plusieurs dizaines d'années là, en termes de transfert d'autorité en emploi. Fait que ça, c'est le fun. Fait que c'est de travailler dans une structure pour finalement refaire le saut parce qu'à la sortie de l'université, j'ai ouvert une compagnie de production cinéma. J'ai toujours j'ai toujours adoré le cinéma pour créer des ponts, créer des relations, pour se guérir, se soigner comme créateur, mais aussi pour contribuer finalement au débat à travers nos messages, notre storytelling, notre oralité dans le cinéma. Revenir à ça, pour moi, c'est extraordinaire, puis aussi retravailler avec les talents émergents. Retravailler avec finalement cette jeune Odile qui était un peu perdue, mais à travers des milliers de participants qui utilisent les services du webconnect, ça, je trouve ça super.
Oui, Wapikoni, justement, là, on entre de plein pied dans le cinéma. Kim Obomsawin, bon, vous êtes réalisatrice, on l'a dit, chez Tarinou. Votre parcours était un petit peu plus direct, là. Vous avez suivi le parcours cégep, université, puis c'est à travers ça que vous avez pris, en quelque sorte, contact aussi avec la culture abénakise. Mm-hmm. Oui, absolument. Moi, j'ai le parcours de peut-être la bonne élève, qui n'est pas nécessairement toujours... en fait, quand j'entends Odile parler, y a quelque chose en moi qui me dit, tu sais, prendre un temps avant de se lancer dans des études, parfois, c'est la bonne chose à faire. On gagne beaucoup avec cette expérience de la vie-là, des fois, puis qu'on arrive mieux équipé, disons, mieux connaissant soi-même à l'université. Moi, ça s'est fait un peu par après, donc vraiment parcours très typique, donc cégep, université. Puis, donc moi, je suis abénakise, donc on le sait, les Abénakis, on est donc un peuple qui est beaucoup plus au sud, qui a été frappé vraiment durement par la colonisation depuis plusieurs siècles. Et puis, j'ai fait, mes grands-parents ont fait partie de cette... vague, disons, d'exode de la communauté de Odanak au tournant des années 30-40, là. Ouais, c'est ça. Quand Odanak est devenu très pauvre. Et puis, donc, il y a eu un exode massif des Abénaki vers la ville. D'ailleurs, on est la nation au Québec où il y a le plus de nos membres qui vivent hors réserve. Donc, on est peut-être 400 à vivre dans les deux communautés d'Odanak et Waninak, puis plus de 2000 à vivre hors réserve. Donc, forcément, ça a un peu brisé le tissu social de notre nation, ça. Puis c'est encore quelque chose, je pense... c'est quelque chose qui me préoccupe encore beaucoup aujourd'hui, mais... Pour en revenir à mon parcours scolaire, donc moi, j'ai donc grandi à Montréal avec un papa qui était super fier d'être Abénaki, mais qui a grandi au sein d'une famille pauvre, avec un père qui était allé au pensionnat, donc qui avait vécu ces mêmes abus, puis qui avait fui la communauté. Donc, pour lui, le fait d'être Abénaki, mon grand-père, ça a été davantage un frein qu'une force. Et puis, donc, c'est un parfait locuteur d'Abénaki. Il n'a jamais voulu le transmettre à ses enfants parce que pour lui, c'était juste un paquet de troubles. Il était mieux d'apprendre le français pour réussir dans la vie et tout ça. Donc, finalement, je me suis ramassée dans une famille, comme bien d'autres, qui avait été acculturée. Carrément, mais avec cette chance d'avoir un papa extrêmement fier d'être Abénaki. Donc, on a toujours gardé des liens avec la communauté, toujours gardé un lien avec le territoire aussi. Donc, j'avais toujours ça en arrière, en grandissant, mais c'est vraiment au cégep, moi, que j'ai eu un éveil très fort, une volonté de comprendre, puis... C'était après une conférence de notre cher ami, j'ai un blanc du prénom, Lepage, qui nous a écrit ce fameux... Pierre Lepage. Pierre, mon Dieu. Pierre Lepage, mythe et réalité sur les peuples autochtones. C'est pas entendre que j'ai oublié son prénom. Oui, la commission des droits, troisième édition de cette publication de la commission des droits de la personne, oui. Puis quand Pierre est venu au cégep au début, puis qu'il nous a donc parler de son travail puis de son guide Météréalité, puis que là je me suis mis à tout de suite j'ai voulu devenir Pierre. Donc puis j'y avais dit comme quoi, hein? Comme quoi l'inspiration, un jour tu vas prendre ta retraite Pierre, puis c'est moi qui va faire ce que tu fais. Puis tout ça pour dire que Odile parlait tantôt de la volonté d'être utile. Donc, c'est là, moi, que l'étincelle a été créée. Puis j'ai dit, je peux être utile parce que ce que je connais pas de moi, je trouve c'est épouvantable de pas y avoir accès. Donc, à partir de ce moment-là, tous mes cours, tous les travaux que je devais faire, j'ai décidé de les consacrer à une question, une problématique, un enjeu qui touchait les Premières Nations. Et puis, pour me... Pour, pour, pour,
pour me former moi-même, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas de cours. Là. Il y avait quelques cours d'histoire, là, mais c'était très, très, très basique. Aujourd'hui, l'offre est beaucoup plus grande, puis donc les étudiants, je les trouve pas mal chanceux. Mais je l'ai fait moi-même, ce cheminement-là, puis ça s'est précisé au fil du temps. Après ça, je me suis inscrite en sociaux. Ça a été très utile. Après ça, j'ai fait ma maîtrise en sociaux aussi. Oui. J'ai fait mon mémoire de maîtrise portait sur l'intégration des jeunes autochtones en milieu urbain. J'avais étudié trois figures de cas, donc Sept-Îles, Val-d'Or, Montréal. Donc, je m'intéressais beaucoup aux freins, à l'intégration, au racisme, à la discrimination. Donc, ça a toujours été un peu mon dada. Puis, à un moment donné, ben, par hasard, le cinéma m'est tombé dessus. À l'époque, je pensais que j'allais devenir une prof de cégep. J'aimais beaucoup, beaucoup l'enseignement. C'était très important pour moi de communiquer, de faire apprendre, de créer des ponts. Fait que je me suis dit, ben, l'enseignement, c'est super. Jusqu'à temps que je découvre le cinéma. Et puis, je suis tombée là par hasard parce qu'un réalisateur m'a approché parce qu'il est en train de réaliser une série documentaire pour la chaîne APTN, donc le réseau des peuples autochtones, qui s'appelait à l'époque La Cité. Puis c'était une série qui faisait le portrait d'Autochtones qui vivent en ville. Hein, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas non plus. Des Autochtones qui vivaient à Montréal à l'époque. Je dis ça comme si j'étais un dinosaure, mais ça fait même pas si longtemps que ça. Ça a été vite, ça a été rapide. Je veux dire comment ça a changé quand même depuis les 12-15 dernières années. J'ai dit oui, sans trop savoir dans quoi je m'embarquais, parce que j'allais être devant la caméra. Fait que j'ai pas tellement trippé sur l'expérience d'être devant le Kodak. Par contre, j'ai rapidement compris que le travail de réalisateur, réalisatrice, là, il y avait de quoi faire pour justement faire passer des messages. Là, j'ai dit, hey, c'est encore plus efficace parce que là, je peux rentrer dans le salon de tout le monde. T'sais. Mais tout le monde écoute la télé, tout le monde écoute des films. Donc, mes études en sociaux, ça n'a pas été un frein pour moi, pour ma carrière en cinéma, parce que je me considère comme une documentariste. Puis, pour faire des documentaires, c'est un peu chaque fois faire un gros travail de recherche. Donc, la méthodologie acquise en sociaux m'a vraiment aidée, à mon travail de recherchiste, de scénariste. Puis après ça, ben, la job de réalisatrice en documentaire, on peut l'apprendre un peu sur le tas. Peut-être moins en fiction, c'est moins vrai. Puis d'ailleurs, ça fait 10 ans là, que je suis réalisatrice temps plein. Puis je commence à faire mes premières armes en fiction. Je me sens prête. Là. Je sens que j'ai acquis tout le bagage nécessaire pour comprendre les codes de la fiction. Donc, dans les prochaines années, je pense que je vais pouvoir ajouter cette corde-là à mon arc. Mais j'ai toujours été très... J'ai toujours eu un petit peu le sentiment d'imposteur en cinéma de par mon parcours atypique un peu, puis les études, puis d'où je venais. Je me sentais bien en documentaire, mais tu sais, la fiction, c'est une autre affaire, puis tu sais, c'est un peu plus big shot, puis tout ça. Puis comme autochtone aussi, il n'y en a pas beaucoup au Québec des réalisateurs, réalisatrices autochtones. Merci à la WAPI qui en forme de plus en plus. Là. Mais quand j'ai commencé, je me sentais pas mal toute seule. On était 2-3 avec Sonia Bonspin. Il y a quelques réalisateurs. Oui, c'est ça. Donc, il y en a beaucoup, mais c'est encore une fois, c'est du côté anglophone, puis ils ne s'intéressent pas. Pas qu'ils ne s'intéressent pas, mais il y a la barrière de la langue qui fait qu'on ne va pas voir ce qui se passe chez les Atikamekw ou chez les Innus, tout ça, alors que moi, c'était un peu ma cour de jeu, là, mon terrain de jeu, c'est aller visiter ces premiers peuples-là, puis j'étais un peu la seule à le faire. Donc ça, je me sentais bien là-dedans, confortable, mais la fiction, pas encore. Là, je me dirige vers ce milieu-là, puis au final, ça m'a permis, évidemment, de me reconnecter grandement avec qui je suis. À travers, par exemple, le dernier film que j'ai fait avait en côtoyant Joséphine, même si, bon, elle est Innu, je suis Abénakis, il y a des grands universaux hein, qu'on partage, il y a des grandes différences, bien sûr, mais il y a beaucoup d'universaux, puis Joséphine m'a appris énormément de choses sur moi-même, et à travers mes autres projets aussi, donc, non seulement ça a été utile pour moi, pour mon cheminement nécessaire de reconnexion identitaire, de quête identitaire, mais aussi j'ai l'impression de faire œuvre utile. Donc, j'ai la chance avec mes films de voyager beaucoup dans les institutions scolaires.
Puis ça, ben, ça vient rejoindre cette première passion-là pour l'enseignement que j'avais. Je dirais que c'est mon bout préféré dans ma job, c'est quand j'ai un film de prêt, puis que je fais le tour des cégeps, des universités, puis j'ai la chance d'échanger avec les étudiants. Là, ces temps-ci, j'en fais plein sur Zoom, puis le contact me manque tellement. Je me dis la même chose pour toi, Caro, qui enseigne. Non, mais ça nous manque tous, tu sais, mais je trouve que j'ai eu... au final, je regarde derrière, je regarde mon parcours, puis je suis... c'était plein de trucs inattendus, peut-être instinctifs, qui finalement m'ont amené où je suis, puis je suis pas mal fière de mon parcours, puis merci à l'UQAM qui m'aura permis de la liberté de faire un peu ce que je voulais à l'époque que j'étais au bac maîtrise, tu sais. Oui. Là, on a parlé un peu de transmission de la connaissance, donc s'assurer qu'il y a d'autres personnes qui apprennent de vos réalisations, ou réalisations au sens large, là, Odile, qui est peut-être un peu moins dans la réalisation comme telle, mais qui accompagne tout un éventail de jeunes réalisateurs autochtones. Et là, ben, on a également des spectateurs qui nous demandent des questions. Donc, on est déjà 13h30, je vais comme lancer une première question pour voir Odile et Kim, ce que vous en pensez. Il y a une personne qui nous a demandé, je voudrais aller en sociologie pour aider avec les conflits entre les Premières Nations, les gouvernements, donc les défis à relever dans ces dossiers-là, ainsi qu'avec l'environnement. Donc, on a cette question-là également à l'esprit. Pensez-vous que je vais prendre la place des Premières Nations si je fais cela? Donc, on comprend bien que c'est quelqu'un qui est sans doute non-autochtone qui pose cette question-là. Donc, aller étudier sur les questions autochtones quand on n'est pas autochtone, c'est une idée qui, à votre avis, peut être utile pour les Premières Nations, pour les Québécois? Tu veux y aller, Odile, vas-y. Ça Odile. Ben moi, je trouve que c'est hyper important qu'on comprenne que la question autochtone n'est pas quelque chose qui appartient aux autochtones. Les enjeux d'inclusion, d'exclusion et de promotion de la beauté de nos diversités, de nos pluralités, c'est quelque chose qui appartient à la société. Alors, je pense qu'effectivement, chacun a un rôle à jouer, que ce soit à influencer son milieu, soit sa communauté de pratique, soit sa communauté identitaire, soit sa communauté de secteur, peu importe, ou influencer sa communauté culturelle. Alors, je pense que tout le monde a sa place à jouer. Par contre, ce que je sous-entends par ça, puis que je trouve quand même important d'être sensible, c'est que la notion d'être un allié à la question autochtone, puis à la lutte pour une meilleure répartition des privilèges ou des richesses ou des opportunités pour qu'on rééquilibre l'impact de la colonisation depuis trop longtemps. C'est aussi une question de réfléchir comment est-ce qu'on se positionne comme allié. Puis une des choses que je trouve important de mentionner, c'est que au même titre qu'on n'aime pas l'auto-identification autochtone, on n'aime pas l'auto-identification des alliés. Je suis un allié, comme si être un allié aux cultures autochtones, c'était d'endosser une cause. Comme je suis un allié des luttes environnementales ou tu sais, et je pense que ça nécessite une relation avec les personnes que tu souhaites. T'sais, avec lequel tu souhaites travailler à une meilleure co-création de demain. Ça, je trouve ça important de le mentionner quand même, que tu sais, ça exige un engagement pas juste idéologique, mais oui. Un engagement humain. C'est ça. Oui, entrer en relation avec des gens des communautés. Kim, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'allais dire un peu la même chose, c'est-à-dire que, ouais, le fameux mot allié, effectivement, ça ne nous appartient pas. Puis, on parlait de sociologie, puis bien sûr qu'on a besoin d'étudiants allochtones qui s'intéressent à nous en sociologie comme dans d'autres domaines. On peut pas, en tout cas, moi, je suis contre le repli identitaire, là. Mais oui, ça doit se faire avec doigté, surtout ces temps-ci. Alors que ce qu'il faut pas oublier, excusez, j'ai un chat qui me vient à la prise.
Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on les Premières Nations, je pense qu'on est dans un moment très important de notre histoire où on est en train de se réapproprier beaucoup de ce qu'on a perdu. Je pense que c'est pour ça que c'est devenu un sujet sensible. Puis j'ai toujours des collègues réalisatrices à l'Octone qui ont fait des super belles œuvres, hein, faut le dire, sur, je pense à Kwesipin de Myriam Véro. Puis là, ben, soudainement, c'est comme si plus personne ne peut rien faire de peur de heurter. Puis moi, je dis toujours, tu sais, quand c'est bien fait, dit Myriam Véro, quand on regarde puis on étudie le processus de création de son film, tu sais, on peut juste y donner un A+ dans son bulletin, tu sais, elle a vraiment bien fait son travail. Puis parfois, c'est le contraire, c'est très mal fait. Et puis c'est pas fait dans une réelle relation, dans une réelle volonté de collaboration. C'est fait avec, j'ai souvent surpris des conversations dans les avions en montant dans le nord avec des jeunes infirmières là qui sortent de l'école, sont toutes jeunes, puis c'est comme on s'en va sauver puis aider. Tu sais, c'est pas une mission humanitaire là que tu t'en vas faire là. T'es d'abord chez nous, tu t'en viens chez nous, puis ton devoir, c'est d'apprendre à nous connaître puis comprendre c'est quoi nos besoins puis notre culture. Donc, c'est peut-être ce que j'ajouterais à ce que dit Odile, mais il ne faut pas s'empêcher, non, de faire des études en sociaux pour... Non. Il ne faut surtout pas s'excuser d'être blanc, parce que ça, c'est une affaire que j'ai souvent entendue en côtoyant Joséphine. Il y a beaucoup de monde qui allait la voir pour lui dire « je m'excuse d'être blanc ». Puis là, ça faisait rager Joséphine. Elle dit « ben voyons donc, tu t'excuses d'être blanc. Attends une minute, là, tu sais. Tu portes pas tout le fardeau tout seul de 200 ans de colonisation. Il faut pas s'excuser. Par contre, il faut être conscient de l'histoire. Puis ça, c'est super qu'on est conscient de l'histoire, parce qu'on peut faire un réel pas vers l'autre. De reconnaître aussi, ça m'amène aussi à juste la reconnaissance des capacités locales. T'sais, combien de fois les gouvernements majoritaires n'ont pas voulu reconnaître la capacité à nos leaders d'identifier priorités, d'identifier solutions, de gérer les juridictions, etc. Là, on voit de plus en plus de belles percées là, avec la Nation Atikamekw qui prend la protection de la jeunesse. On commence à voir là, tu sais, que c'est possible et que tu sais, les systèmes de santé, tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui peuvent être. Donc, c'est de croire aussi à la capacité des communautés elles-mêmes d'identifier, de prendre en charge les plans et les initiatives là, pour. Mais je pense que tout. La question de la cohabitation, c'est une question contemporaine, actuelle et qui appartient pas juste aux Autochtones, mais aussi à toutes les colons, immigrants, descendants de tout ça, et puis qu'on travaille maintenant ensemble à co-construire un domaine. Puis effectivement, dans l'influence des gouvernements, parce que j'entendais dans la sous-question, genre pour influencer les gouvernements, ben oui, il faut avoir souvent des approches un petit peu plus quantitatives, avec une démarche scientifique, avec des données puis des statistiques. Donc, plus on est capable de ramasser un portrait plus juste de la situation, plus on va probablement réussir à influencer des programmes et des politiques. Autre question d'un autre spectateur. Pensez-vous que les jeunes autochtones qui sont en processus de choisir leur carrière reçoivent plus de pression pour changer les choses, c'est-à-dire choisir un programme universitaire comme droit, journaliste, sciences, politique, etc.? Kim? Ben, de pression, je sais pas si c'est de la pression. Moi, ce que je vois beaucoup quand je me promène donc d'une communauté à l'autre, puis je travaille beaucoup avec les jeunes dans les projets que je suis en train de mener, mais là je t'en pose de tournage, en tout cas. Bref, de façon générale, je côtoie beaucoup les jeunes adultes là, j'aime beaucoup ça leur jaser, puis ce que j'entends, c'est beaucoup je veux faire œuvre utile. Donc est-ce que c'est une pression que de choisir un métier qui peut être utile à ma communauté? Peut-être, mais en même temps, ça amène beaucoup de sens dans sa vie, tu sais, de dire je vais devenir infirmière, je vais choisir de devenir infirmière pour revenir chez nous puis offrir des soins appropriés à ma communauté parce que ça m'a manqué, ou enseignant parce qu'il en manque, puis tout ça. Donc, je sais pas, je pense pas. Peut-être qu'il y en a qui le vivent comme une pression. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je pense qu'aussi, ça sert de moteur aussi au raccrochage ou au non-décrochage de se choisir une carrière qui peut être utile à notre communauté. Mm-hmm. Odile, tu l'entends chez les jeunes réalisateurs qui doivent beaucoup se poser de questions quand même. Hein? Il y en a beaucoup qui débutent avec la caméra, avec l'appareil photo, etc. Je pense que... ce qui est peut-être, ou ce qui a peut-être été perçu comme une pression à un certain moment donné, c'est de
de devoir accompagner la société dominante dans sa décolonisation. Alors que empowering nos nations, c'est pas comme un poids, c'est comme une fierté. Donc, il faut transformer finalement. Puis, il y en a pour qui c'est une fierté de contribuer au changement des structures gouvernementales en place aussi. Fait que je pense que c'est juste une question de trouver sa vocation, quelle qu'elle soit. Et puis, elle est tellement plurielle. Moi, je dis souvent, le chemin est aussi important que la destination. Wapakoni Mobile, pour moi, c'est important que ce soit pas... L'objectif, c'est pas les films. L'objectif, c'est la parole, la prise, la prise de parole, puis la... C'est le statement, statement en souveraineté narrative complète dans un espace de liberté complète de faire les statements dont tu as besoin pour te présenter comme tu as envie d'être présenté et non pas sous la lentille d'un regard différent. Donc, je le vois un peu comme ça, puis je pense que ce qui est important dans le milieu professionnel, c'est de se sentir autonome, qu'on a la place pour faire, je pense que l'autonomie dans le milieu professionnel, c'est quelque chose qui est vraiment apprécié, puis aussi comme la maîtrise, l'accomplissement, le sentiment, il y a une raison d'être de ce qu'on fait, mais c'est tellement pluriel. Je regarde les milliers de parcours du Wapakoni, il y en a qui ont choisi de s'en aller en politique communautaire, il y en a qui sont en allés dans des structures ministérielles du gouvernement pour changer des politiques de toutes sortes, il y en a qui sont allés dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'éducation, dans le milieu du travail social. Alors, je pense que, tu sais, il faut transformer justement faut pas se mettre une pression de... Parce qu'on peut servir de tellement de façons plurielles et différentes qu'il y a moyen de se trouver la direction qui va servir sans que ça soit une pression. Qu'on va travailler tous les matins, puis on va être content de faire ce qu'on fait. Puis qu'on va aussi, surtout, ce qui est important, je pense, c'est qu'on fasse un choix qui nous rend heureux au quotidien. Parce que moi, je dis tout le temps, tu sais... les enjeux, l'amélioration de nos conditions de vie, l'amélioration de nos conditions de traitement dans la société qu'on vit, c'est une affaire qui va se faire de génération en génération en génération. Donc, il faut choisir quelque chose qui nous fait rire, qui nous fait sourire, qui nous donne le goût et qu'on inspire mes enfants. Tu sais, moi, je pense à mes enfants, puis je me dis, si j'avais une job où je serais toute fâchée, je me dis à mes enfants, je dirais, moi, je ne veux certainement pas faire ce qu'elle fait, elle a de l'air à se faire tous les jours. Moi, j'ai le goût d'inspirer les gens à prendre la relève, à continuer. Fait qu'il faut choisir quelque chose qui nous drive, qui nous rend heureux. On est capable de déconstruire la vision en plus petits objectifs. On s'arrête, on fait la fête parce qu'on a atteint des petits pas. Puis je pense que c'est ça qui donne le goût à la génération suivante de dire, ah, écoute, moi, j'embarque puis je vais trouver ma façon d'y contribuer. Parce que c'est faux de prétendre qu'on va tout voir ce qu'on aimerait voir de notre vécu. Je pense que ça va se faire sur du long terme. Mais... Donc, les chemins sont pluriels. Il n'y a pas de bon chemin. On peut aller étudier dans ce qui nous fait plaisir. Puis ensuite, il y a de la place. Il y a de la place au Canada, au Québec, dans les institutions autochtones pour ces jeunes, pour les étudiants autochtones. Je dis jeunes, je ne sais pas pourquoi. Là, il y a toutes sortes de personnes qui retournent à l'école. Moi, j'en suis la preuve. Là, je suis retournée à l'école passé 40 ans pour mon doctorat. Il y a de la place, vous croyez, un peu partout dans les institutions pour ceux qui terminent leur baccalauréat, leur DEC, leur... oui. Kim? Moi, je dis, c'est mon mantra là, ces temps-ci, c'est au secours à l'aide. Parce que, en tout cas, en cinéma, puis Adil, tu dois le constater toi aussi, puis en télé, pas juste en cinéma, en télé, il y a une demande immense. Hein, quand est venu le fameux rapport... Vérité, réconciliation, ça venait avec toutes sortes de recommandations. Puis moi, c'est là, je pense, que j'ai vu le shift, là. C'est que là, finalement, tous les diffuseurs, les bailleurs de fonds, tout le monde, il fallait qu'ils d'abord cochent des cases. J'ai senti comme des cases à cocher au début. Puis maintenant, je ne le sens plus comme ça. Je le sens vraiment comme une espèce de passion que les gens sont en train de développer pour nos histoires. Non seulement il y a de l'espace, mais il y a de la job vraiment beaucoup qui vous attendent. Donc, si le domaine du cinéma vous intéresse, let's go, parce que moi, je vais aller vous chercher, ça sera pas long. J'ai besoin d'aide, mais dans tous les domaines aussi techniques, on manque de ressources. Oui. En oui. Montage, en composition. On a beaucoup de musiciens chez les Premières Nations, on est des artistes incroyables, mais
j'ai pas trouvé encore de quelqu'un qui est capable de faire de la composition en image. Odile, si tu penses à quelqu'un, tu me feras signe. Mais, c'est quelque chose qui manque en ce moment. La prise de son, la caméra et tout ça. Donc, il y a des morceaux dans nos équipes qui, des fois, ça devient impossible d'avoir une équipe complète autochtone. Et puis donc, il y a de la place, il y a de la demande immense. Puis je pense que c'est vrai en ce moment, dans tous les milieux, on assiste à une effervescence extraordinaire. Donc, je pense que faites vos études, faites dans la plus grande confiance que quelque chose de grand vous attend après. Il y a des programmes de mentorat ou de shadow. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé comme journaliste, je pouvais suivre un réalisateur, je pouvais suivre un journaliste pendant une semaine, deux semaines, puis regarder comment ils travaillent, puis prendre des notes pour moi-même, puis ensuite m'améliorer, puis devenir moi-même ça par la suite, parce que des fois, ça ne s'apprend pas tout le temps sur les bancs d'école. Et nous, on le fait beaucoup en ce moment chez Tarinou. Puis même ça, des fois, c'est difficile de recruter des gens. Puis on donne des vrais jobs avec... c'est pas un stage non rémunéré, là. On cherche vraiment à placer les gens qui ont envie vraiment de travailler dans un travail qui est bien rémunéré selon les standards de l'industrie en fonction de l'expérience de la personne. Puis c'est encore difficile de recruter parce que nos ressources sont sollicitées partout. Et puis donc, il manque de monde. Donc, mais on voit que ça s'améliore d'année en année. Mais oui, il y a de la place chez nous pour du mentorat, en tout cas. Puis au WAPI aussi, j'en suis convaincue. Ben oui, au WAPI, c'est certain. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup comme demande, c'est des demandes d'accompagner des stagiaires sur des plateaux de tournage, dans des espaces variés. Puis c'est ça qu'aussi on veut de plus en plus faire, parce qu'on le sait que la raison pourquoi les gens n'appliquent pas toujours, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas complètement outillés et qu'ils ne seront pas utiles. Alors, tu sais, puis nous, donc, on essaye aussi de faire un peu un accompagnement à la professionnalisation pour créer un tremplin là, entre le banc d'école puis la job. Là, c'est épeurant. Puis, moi, j'ai pu bénéficier dans mon parcours de mentors, de personnes inspirantes avec qui j'ai pu travailler de près, puis de voir un peu mon progrès dans le milieu professionnel avec le regard de quelqu'un que j'admirais. Puis que je pense que c'est ça qui est important aussi. Puis de plus en plus, je pense que la société comprend qu'on ne peut pas parler de nous, produire sur nous, écrire sur nous sans nous. Fait que ça veut dire qu'il y a beaucoup de place pour toutes sortes d'affaires, que ce soit devant, derrière, à l'administration, à la, des producteurs. Il y a toutes sortes de besoins là, qui y en a de la job énormément. Fait que vraiment, là, puis de bénéficier du maximum. Puis il y a plein d'opportunités de perfectionnement hors les murs académiques aussi. Et ça, les saisir, les prendre. Parce qu'effectivement, Caroline, comme tu disais, juste avoir l'occasion de tenter, faire du shadow, ça nous enligne sur est-ce que ça semble être quelque chose qui me driverait, qui me motiverait ou pas. Puis, tu sais, je pense qu'il faut faire du design thinking avec notre carrière pour être bien. Faut tester des affaires, faut comme prototyper, puis pas avoir peur d'avancer, de reculer pour vraiment faire son choix qui nous convient le plus. Il y a de la job. Je reviens à une question du public. C'est intéressant parce que justement, Odile, tu as dit un peu plus tôt, quand je suis arrivée à l'université, des programmes autochtones, il n'y en avait pas des tonnes. Maintenant, ça a changé. On le voit avec l'Université du Québec à Montréal. Bon, il y a un programme d'études autochtones maintenant, de premier cycle. Bon, il y a l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue également qui a développé tout son pavillon avec sa gamme de programmes très pertinent aussi, ajusté pour les besoins des collectivités. Même chose du côté de l'UQAM, à Concordia, etc. Là, je me fais poser la question où est-ce qu'on a l'impression qu'on tombe un petit peu complètement à l'inverse d'auparavant. Pensez-vous qu'on doit créer des universités 100% autochtones ou amener des méthodes d'enseignement traditionnelles dans les institutions actuelles? Moi, ça me fait penser au... Collège Manitou, hein, qui a créé tous nos leaders, qui a été hyper extraordinaire pour créer un collectif fort aussi qui a permis de croire finalement à notre autodétermination puis à la lutte pour nous amener vers ça. Fait qu'il y a quelque chose de powerful dans des espaces qui permettent le réseautage et la force du collectif d'être ressenti. Ça me fait penser à Kiuna. Kiuna, c'est vraiment, vraiment extrêmement fort ce sentiment d'entraide et d'accompagnement et de collectif, tu sais, qui est un peu différent
de l'approche académique où c'est un maître au lieu d'un guide. Hein? C'est tout des chocs de valeurs. Hein? Avoir un maître qui t'enseigne versus un guide qui te dirige. Tu sais, c'est des méthodes d'apprentissage qui sont un peu différentes dans lesquelles on peut être confronté parfois par des notions de hiérarchie qui nous collent moins bien en termes de nos valeurs profondes. C'est pour ça que j'adore les belles initiatives qui sont faites dans nos grandes universités pour créer ces espaces comme Annie nous a présenté d'entrée de jeu, puis on en voit de plus en plus, puis c'est extrêmement important. Mais je favorise aussi beaucoup ces parcours un peu à la Kiona ou à, il y en a d'autres universités au Canada, il y en a pas au Québec, mais il y en a d'autres. C'est possible de se retrouver vraiment dans des campus 100% autochtones. Dans certaines provinces aussi, la démographie le justifie en termes de nombre d'Autochtones qui occupent cette province-là. Puis je trouve qu'il quand même, il y a des modèles inspirants, puis ça pourrait servir d'échange interuniversitaire, etc. Mais une chose que je retiens dans la question et que je trouve super important, c'est de décoloniser les notions de savoir et d'excellence. Quel type de savoir a comme un droit d'exister dans une structure académique? Là, il y a vraiment du travail à faire pour que nos savoirs traditionnels issus du territoire, issus de d'autres formes d'expérience que celles qui vient avec des certificats reconnus par le ministère de l'Éducation, puisse servir à guider les leaders de demain dans les parcours académiques. Ça, vraiment, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit complètement évacuer tous les savoirs qui viennent de d'autres systèmes de connaissances. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lire d'autres auteurs que juste les auteurs autochtones. Ce serait un drôle d'aveuglement, là, finalement, là, de fermer ça. Ça peut être 100% autochtone en entrant en discussion avec d'autres types de savoirs, justement. Kim, qu'est-ce que tu aurais ajouté sur, justement, cette 100% autochtone-là, puis l'idée, justement, d'avoir des programmes ou des universités complètement autochtones? Moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire ce que j'entends de ce que vous dites, les filles, c'est que l'idéal, c'est d'avoir les deux figures de style. Un espace comme Kiuna, c'est ultra nécessaire. Puis ça avait été là quand j'ai fait mon cégep, puis je peux vous dire que c'est là que je serais allée, tu sais. Mais après, de pouvoir poursuivre dans une université qui englobe toutes sortes de mondes, toutes sortes de réalités, des gens qui viennent de partout dans le monde, je pense que c'est nécessaire aussi. Comme je disais, moi, je suis contre le repli identitaire. Donc, forcément, pour comprendre d'où je viens, qui je suis, il faut aussi que j'entre en contact avec l'autre, tu sais. Mais l'autre peut aussi profiter de cette fameuse décolonisation des savoirs dont on parle, puis de décoloniser la manière d'enseigner. Pourquoi ça serait... pourquoi ça n'appartiendrait qu'à nous? Donc, pas à apprendre nous, mais à montrer puis à enseigner. Puis je serais d'accord pour qu'il y ait une plus belle place qui soit faite à ça. Puis je pense que c'est de toute façon ce qui est en... C'est le mouvement naturel vers lequel on s'en va en ce moment, on le sent bien. Un n'exclut pas l'autre. Autre question encore, êtes-vous prête? Ça n'arrête pas. Ma propre décolonisation de pensée m'amène à prendre conscience de plusieurs réalités dont vous avez... auxquelles vous avez fait face, tout comme les injustices passées et présentes dont vécues par les peuples autochtones. Donc, elle parle du fait qu'elle a vécu une colère. Avez-vous ressenti cette colère-là et comment faites-vous pour vivre avec, la guérir, qu'elle ne soit pas un obstacle à votre travail puis à votre processus d'études également? Là? Oh! Donc, la colère coloniale. Oui. Moi, j'ai la colère, pour moi, puis je pense qu'on a tous une façon différente peut-être de vivre avec la colère, mais pour moi, la colère, ça a été... ça m'a absolument pas aidé dans ma contribution. Ma colère m'a amené dans une période de repli identitaire, dans une période de m'infliger des dommages à ma personne et à mon entourage et à mon, la colère n'a jamais servi mon engagement, puis ma collaboration, avec les miens, avec les autres nations, avec les autres. Donc, pour moi, vraiment, me libérer de la colère a été probablement la première, le plus grand obstacle
à ma contribution. Puis ça passe par un pardon qui est super important à essayer. Puis pour moi, pardonner, c'est l'affaire la plus difficile à faire, surtout quand personne te demande des excuses. T'sais. Quand personne te demande, il faut que tu passes par un processus de un peu pardonner la situation, tu sais, qui... mais il n'y a pas personne, tu sais, même s'il y a des excuses d'Harper, on s'entend que c'est pas des vrais, tu sais, ça marche pas, là. Ça n'a pas du tout le même impact que quand ma maman dit « je m'excuse, j'ai fait une erreur », là. C'est... ou mon ami, là. Fait que je pense que, en tout cas, personnellement, moi, il fallait que je m'en libère de la colère. Puis j'ai transformé un petit peu dans certains contextes, là, depuis que je m'implique beaucoup dans des tables de gouvernance, des réflexions. Je vais transformer un peu les moments où avant, je pouvais comme en rire et humour. Parce qu'il y a quand même un petit côté sarcastique, hein, quand tu ris d'une situation, de quelqu'un qui dit quelque chose qui n'a juste pas de bon sens, la personne, elle s'en rend compte qu'elle vient d'avoir l'air un petit peu ridicule, mais elle n'a pas réussi à atteindre ma colère. Puis je dis souvent, puis je le répète souvent, la meilleure façon de survivre d'un génocide culturel, c'est de manifester sa fierté. Manifester son bonheur. Pour moi, c'est comme « in your face ». Je suis encore là, puis j'ai encore le souffle, puis j'ai du plaisir. T'sais. Ça fait une, pour moi, c'est une arme, si on veut. Oui, oui. Kim, toi, la colère, est-ce que tu l'as catalysée ou que tu l'as transformée? Je suis pas quelqu'un qui est beaucoup en colère dans la vie, mais je suis pas en train de dire qu'on peut pas être, qu'il faut pas être en colère. Au contraire, je pense que des fois c'est important, c'est une émotion importante, la colère, puis c'est un moteur important. Je dirais que des fois j'ai expérimenté beaucoup de lassitude, de fatigue. Puis j'ai réussi, tu sais, à chaque fois je réussis à la surmonter, mais c'est sûr que là je trouve qu'on est vraiment dans un... Là, la pandémie nous freine, on est tous un peu déprimés, puis tannés, puis tout ça, là. Fait que c'est une drôle de vibe, mais bon, mettons que s'il n'y avait pas ça, je trouve qu'on est dans une époque assez extraordinaire par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé, où j'avais constamment l'impression de devoir toujours repartir à zéro, puis faire de l'autochtone 101, que je sois sur une table ronde auprès de gens super érudits, là. Tu sais, qu'avec mon oncle, ma tante, je me rendais compte que le niveau de connaissance, finalement, était le même, puis voir le niveau de curiosité absent. Puis ça, bien, ça me mettait, oui, en colère, mais me fatiguait davantage, ou des fois, j'avais besoin d'un petit pep talk pour me dire « let's go, je redémarre », tu sais. Fait que je pense que c'est normal de se sentir comme ça, des fois. Mais comme je dis, là, je sens que toutes les portes s'ouvrent pour qu'enfin, on puisse prendre la place qui nous revient, avancer les débats et qu'on est prêt réellement à nous écouter. Puis là, peut-être j'ai des lunettes roses, là, mais j'ose croire que ça va mieux qu'il y a 5-6 ans, à peine. Ouais. Ouais. Il y a dans les milieux, bon, on sait que le taux de réussite au secondaire n'est pas toujours évident dans les collectivités. Je regardais dans ma communauté à Manchetoyat il y a 2 ans ou 3 ans. Bon, le taux de réussite était très faible. Il y avait quelques jeunes de secondaire 5, 16, 17, 18 ans qui terminaient. Donc, on n'avait pas beaucoup de finissants. Jusqu'à quel point est-ce que les universités peuvent développer une collaboration puis s'assurer justement qu'on puisse peut-être intéresser ces jeunes-là qui décrochent, qui réembarquent, etc. C'est quoi les initiatives qui pourraient être intégrées à l'université pour que en quelque sorte, il y ait un plus grand raccrochage ou peut-être plus d'intérêt justement pour assurer une relève, là? Mm-hmm. Bien, je pense que de créer des milieux qui sont culturellement adaptés, qui nous ressemblent, c'est la première affaire à faire. Tu sais. Puis je pense que ça part d'avant le milieu universitaire ou collégial, ça part des services qui sont offerts dans nos communautés. Tu sais. Je sais que j'ai choqué un prof à un moment donné, un prof d'histoire, en disant que je trouvais que les cours étaient mal adaptés. En tout cas, je me demandais comment qu'on pouvait... prétendre intéresser les jeunes qui, à 15-16 ans, des fois, déjà, c'est difficile, là, les cours d'histoire, c'est pas l'affaire que t'as le goût de faire en premier dans la vie. Puis, tu sais, t'es sur la Côte-Nord dans une communauté éloignée, puis tu sais, ce que t'apprends, c'est l'histoire, une histoire qui est tellement loin de la tienne que je trouvais qu'il y avait une refonte, puis il y a vraiment
Mais ça, c'est un débat très large. Là, comment repenser l'éducation? Puis c'est un débat très philosophique. Puis comment, puis qu'est-ce qui serait utile? Quel genre d'école on rêve dans nos communautés? Fait que je pense que pour donner aux jeunes l'envie de continuer après, puis de s'engager dans des études qui sont exigeantes, puis qui demandent de quitter ta communauté, ta famille et tout ça, faut d'abord qu'on t'ait insufflé l'envie d'aller à l'école avant, bien avant ça. Fait que je pense que ça partirait d'un meilleur, c'est ça, d'école avec beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de profs autochtones au secondaire. On sait qu'il y en a au primaire quand même pas mal, mais au secondaire, c'est vraiment un problème. La majorité des écoles que je connais n'ont pas de profs d'enseignants autochtones, à part celui qui enseigne la langue atikamekw ou l'innu. Fait que moi, je pense que ça part de bien plus loin que l'université. Nadine? Ouais, moi, je pense que effectivement, hein, si on veut avoir des résultats à ce niveau-là, il faut qu'on aille travailler en amont avec les autres niveaux d'enseignement. Ça part de très loin, puis ça part aussi dans la démonstration dans notre société aussi. Hein. Je pense aux médias, je pense aux petits écrans, je pense à toute l'influence aussi de la place qu'on accorde à la beauté de nos diversités, puis à la collaboration entre nos nations. Ça joue aussi un rôle sur la valeur qu'on se donne comme citoyen de cette société. Fait qu'il y a aussi ça, hein, parce que dans le fond, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, pour moi, accès à l'université égale à un niveau de bien-être, d'avoir le goût de contribuer. Puis pour que ça se fasse, ça peut se faire aussi à l'extérieur des bancs d'école. Mais ce que j'entends aussi dans les... Puisque je pense que les systèmes académiques et les universités doivent quand même déconstruire et décoloniser, c'est toute la question de la sécurisation culturelle. Mmh. Autant dans les contenus. Il ne faut pas que aller à l'université, on revive des traumas. Parce que des fois, selon qui nous l'enseigne et qu'est-ce qui est enseigné, finalement, on est triggered, on repart dans des chocs finalement qui est une autre barrière qui est spécifique à nous dans la difficulté de persévérer et d'atteindre des résultats au niveau scolaire et académique. Fait que je pense à ça beaucoup parce que, comme Kim le disait, les contenus doivent être revus et revisités pour justement décoloniser les savoirs puis parler de la vraie histoire qu'on a voulu bafouer en reconnaissant que, bon, il y a eu une réussite. Alors, on va maintenant comme trouver une façon de remettre le portrait juste de la situation puis de pouvoir justement souligner la pleine contribution des peuples autochtones à la construction de notre aujourd'hui. Mais aussi, une chose que moi, je trouve fascinante et à tous les niveaux, qui n'existe pas dans le milieu académique, c'est l'évaluation de la qualité de l'enseignant. Il y a quelque chose dans la pensée qui est comme pas évidente, hein? Alors que, tu sais, dans nos valeurs, on est beaucoup dans les réflexions collaboratives sur comment on peut être un meilleur guide, comment on peut être une meilleure source d'inspiration, pas juste sur notre capacité à évaluer la matière, mais à notre capacité à créer des étincelles, à créer du goût. Alors, il y a quelque chose aussi dans l'accompagnement des enseignants pour valoriser une approche qui vise pas juste le bourrage de crâne. Hein? Je me souviens de penser, l'université, c'est comme un bourrage de crâne, il faut que ça reste dans mon crâne jusqu'à l'examen. À l'examen, je le pompe, après ça, je suis soulagée. T'éloigner de cette méthode-là de finalement d'encaisser les savoirs. Ben, écoutez, Odile Jeannette, qui est directrice du Wapikoni Mobile. Merci, Chinashkumeten, Odile. Et puis Kim Obomsawin, Wilini. Olioni. Qui est réalisatrice chez Tarinou. Je vous remercie beaucoup toutes les deux d'avoir passé cette heure avec nous, d'avoir répondu aussi aux questions des personnes qui ont été présentes avec nous. Puis je redonne la parole à Annie Bergeron de l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup. Écoutez, ça a passé très vite. Là, on aurait pu vous écouter encore longtemps. Donc, merci encore beaucoup. Je vais prendre aussi un petit moment pour remercier le bureau des diplômés qui m'a aidé, qui a co-organisé l'événement avec moi. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, Kinesh Komitele.